Il était une fois une guerre. Et une princesse prête à sacrifier sa vie pour la gagner. Le destin de cette Valkyrie était de combattre pour son royaume et de gagner la guerre. Pour l'honneur de son pays et l'amour de son père, le roi. Hélas, tragédie et trahison ont fini pour recouvrir sa vie. Et l'âme de l'être qui partageait son amour fut en lui. Les joyaux de la reine Odette, la grande reine du monde des morts, sont certes porteurs d'une grande puissance, mais obtenus de la plus vile des manières. Oh, grande reine du monde des morts, s'il vous plaît, laissez partir Oswald. Laissez mon mari repartir à mes côtés, dans le monde des vivants. Supplia la princesse. Ces joyaux, ils appartiennent à celle qui unit le monde des morts et celui des vivants. À la grande reine, à moi. Et la princesse eut beau supplier, elle ne pouvait changer l'inévitable. Les morts et les vivants ne peuvent exister aux mêmes endroits. Mais une Valkyrie n'a pas peur de la mort. Et si celle-ci est inévitable, elle l'acceptera.